Robert is my bank. Agir pour améliorer la santé de la femme et de la jeune fille en RDC, c'est le pourquoi du lancement de la campagne Ma Santé, Mon Droit. Pendant 3 jours, ce checkpoint installé au terrain Pacajuma par l'ASBL PBM ILF en partenariat avec Robank. Plus de 600 femmes et jeunes filles ont bénéficié à l'accès gratuit aux soins de santé, la planification familiale, le dépistage et l'éducation en santé sexuelle et reproductive. Robank est fière d'associer son image de marque à cette activité car la banque, dans sa politique de RSE, promouvoit les soins de santé de qualité. Un partenariat qui tombe à point nommé afin d'aider les femmes et jeunes filles de Pacajuma. La santé de la femme est un droit essentiel et fondamental et la femme et la jeune fille de Pacajuma aujourd'hui se retrouvent démunies des soins primaires de santé. Donc nous avons voulu offrir 4 paquets des soins ciblés la femme et la jeune fille. L'accès aux soins pour nous est important et nous avons voulu en ce mois de la femme offrir cet accès aux soins gratuitement. Donc nous avons reçu plus de 600 femmes et jeunes filles. Elles ont reçu ces soins gratuitement. Donc elles ont pu voir des gynécologues, elles ont pu voir la sage-femme, il y avait des pédiatres pour les enfants de Pacajuma et les chiffres des femmes avec des infections, des chiffres des femmes avec des problèmes de santé étaient énormes. Et donc nous pensons que nous allons revenir pour essayer de faire un suivi. La pauvreté et la promiscuité, 2 mots-clés qui ont poussé cette ASBL d'abriter le quartier Pacajuma afin de sensibiliser et conscientiser la population de ce coin sur la santé sexuelle et reproductive. Une autre étape, les femmes et filles des Malueka seront la cible dans un bref délai. Nous remercions vraiment les partenaires comme la Robank qui nous a soutenus. Ils ont voulu accompagner la femme de Pacajuma, la jeune fille de Pacajuma. Nous avons prévu différents sites, donc nous avons commencé à Pacajuma. C'était important pour nous de commencer ici. Ensuite, très prochainement, nous serons à Malueka et à Njili. Et nous allons aller un peu plus loin jusqu'à Nsele aussi. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. S'il y a aujourd'hui la prostitution, s'il y a aujourd'hui des maladies sexuellement transmissibles, s'il y a aujourd'hui des grossesses indésirables, s'il y a aujourd'hui de la mortalité infantile, c'est d'une part parce que la jeune femme est exposée. La jeune femme n'a pas d'information. La jeune femme, surtout la jeune fille, qui est aujourd'hui exposée notamment au viol à l'est du pays. Tout ça, c'est important qu'il y ait des associations comme PBM ELF, ainsi que d'autres autour de ce projet, ainsi que d'autres partenaires, se mettent à pouvoir travailler dans l'axe de l'éducation sexuelle afin de prévenir beaucoup de choses. Cette activité coïncide avec la clôture du mois de la femme, initiative de PBM ILF accompagnée avec Robank afin d'offrir des soins gratuits indispensables pour les vulnérables dans le but de réduire le taux de mortalité maternelle. Robert is my bank.